Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 6 au 10 mars. Et pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 6 et le 10 mars, eh bien c'est l'ange Diabamia qui est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Diabamia porte la vibration numéro 70 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale, et il est le sixième ange de la famille du royaume des anges. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. La famille du royaume des anges, ce cœur est le plus proche des humains, qu'il guide sur le sentier de la réalisation. Il leur facilite l'accès aux valeurs spirituelles auxquelles il donne forme dans le monde concret. Il élève les requêtes humaines et bien vers les sphères supérieures. Les anges encouragent à prendre du recul par rapport aux perceptions sensorielles immédiates afin d'éviter de se laisser emprisonner par l'émotionnel et l'illusion. Changer sa façon de voir, changer la façon d'écouter, de sentir, de toucher, eh bien ouvre l'accès au véritable ressenti. Ces êtres de lumière incitent à se dégager des préjugés et accordent la capacité d'introspection qui permet à chacun de découvrir sa face cachée. La couleur qui leur est associée et le vert, l'intermédiaire entre les couleurs chaudes associées au corporel et les couleurs froides du spirituel. L'harmonisation de ces deux valeurs, à l'image de l'équilibre entre le corps et l'esprit, favorise eh bien, la santé. Le vert qui est la couleur du printemps, n'est-ce pas? Elle est associée à la vie et à la renaissance. Alors, Diabamia, l'ange de la régénération physique et morale, il sensibilise à l'amour de l'humanité et permet de trouver la voie spirituelle qui conduit à l'éveil. C'est un ange guérisseur, ce bel ange Diabamia. Il aide à lutter contre la dépendance au tabac, à l'alcool et aux drogues de toute nature. Il soutient les actions de purification et de désintoxication, accompagne les jeûnes, les cures ou les prières. Diabamia est également appelé pour résoudre les maladies d'origine karmique. Ce bel ange Diabamia amène l'énergie de la mère qui déploie son amour à tous ses enfants, n'est-ce pas? La mère enfante pour rendre hommage à l'amour et à la vie, ainsi qu'à toutes ses futures créatures. Cet ange possède et apporte une grande énergie de création et la vie. Il apporte aussi l'épanouissement de la beauté, la révélation de l'essence de l'être et la compréhension de la qualité d'amour que l'être porte, ainsi que sa capacité à aimer et à vivre. Il nous apporte la paix retrouvée en nous permettant de trouver la plénitude par l'acquisition de l'amour et de nous-mêmes. Il nous permet de retourner dans nos mémoires pour voir tous les moments où nous n'avons pas été dans l'amour de nous-mêmes. Il nous aide alors à poser l'amour sur ces événements et à retrouver ainsi l'amour dans l'instant présent. Alors ce bel ange Diabamia, apporte la notion du libre arbitre. Il nous met face à l'intégration du Créateur qui passe par le développement et l'intégration de notre individualité. Il nous met pour cela face à toutes les situations dans lesquelles nous avons perdu, où nous perdons notre pouvoir intérieur, et nous demande, lorsque nous les avons localisés,
et bien de poser sur elle l'amour qui guérit toutes choses. Il nous aide à développer notre discernement en partant de notre ressenti, de notre intuition et du jugement du cœur. Il nous aide ainsi à nous dégager des interférences du mental qui fausse le ressenti et l'intuition lorsqu'il n'est pas à sa place. Il nous aide à apprécier et à sentir toute beauté existant par le cœur et nous permet de découvrir l'harmonie extérieure, celle qui renforce l'harmonie intérieure. Le soin de la beauté et l'ouverture de notre cœur dévoile toute chose et nous fait entrevoir et voir toute vérité. Alors ce bel ange Djabamia, c'est un ange qui est alchimiste de notre âme. L'appel de la beauté transforme le corps au fur et à mesure que notre âme s'élève. Eh bien, elle élève notre corps. Il se transforme alors et ses cellules se transforment aussi, n'est-ce pas? Elles se modifient et ainsi notre corps se montre plus apte à recevoir les nouvelles énergies de lumière. Un corps beau est toujours le signe d'une haute élévation de l'âme. Même si la personne qui possède ce véhicule n'est pas toujours consciente ou ne semble pas évoluer spirituellement. Par ailleurs, ce bel ange Djabamia nous place devant les principes de la création, de l'autogénération et de la multiplication de la vie. Gardien, eh bien, cet ange gardien, eh bien, sa puissante influence vous incite à privilégier le spirituel au matériel. Sous l'aile de ce bel ange Djabamia, l'amour de l'humanité motive nombre de vos actes. Vous vous sentez responsable des autres et adoptez souvent un comportement protecteur à leur égard. Dans votre approche esthétique de la vie, le beau et le bien ne forment qu'un, épris d'absolu. Vous aspirez à un monde d'harmonie et d'amour, libéré des contingences matérielles et morales étriquées. Vous évitez intuitivement les ambiances et les influences néfastes. Ouvert à la nouveauté, vous abordez la vie avec un esprit d'évolution et de régénération, corporelle autant que spirituelle. Vous savez accompagner votre prochain dans cette démarche et l'aider à se libérer de son karma. Vos réflexions et vos méditations vous conduisent à une approche philosophique et mystique de l'humanité. La vie vous présentera des maîtres spirituels qui dispenseront l'initiation qui élève l'âme et vous rapproche de l'éveil. Il facilitera l'accès à la compréhension des sciences occultes ou même à une voie spirituelle si tel est votre désir profond. Il vous encourage à vous défaire d'habitudes néfastes en faisant ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous. Invoquez ce bel ange Djabamia pour oublier vos angoisses et vos doutes. Vous retrouverez bien naître et dynamisme. Alors, c'est l'ange aussi idéal pour tous ceux qui travaillent avec les énergies. Djabamia nettoiera d'abord vos canaux afin que son essence puisse y circuler librement. Puis, vous serez mieux à même pour utiliser son énergie afin de guérir. Ainsi, en œuvrant avec Djabamia, vous développez vos pouvoir d'alchimiste comme l'était en son temps le comte maître de, vous savez, ce comte maître de Saint-Germain. Demandez-lui de vous enseigner comment acquérir les vertus et pouvoirs de cette belle flamme violette et comment en faire un don
au service de la vie, de la lumière et de l'amour. Nous en venons à la prière de ce bel ange Djabamia. Ange producteur de toutes choses, fais de moi le réceptacle conscient de ton verbe, de ta vibration, de tes énergies. Remplis-moi de ta présence, afin que lorsque la société m'appellera à l'action, ce soit ta force qui agisse, ta voix qui commande, ton divin génie qui construise, qui édifie. Régénère en moi, ange Djabamia, tout ce qui n'est pas en conformité avec la loi divine, et garde-moi, bel ange, de penser que mes œuvres sont miennes, car en réalité je les ai réalisées grâce à toi. Permets que les circonstances me soient propices, favorables à la réalisation de mes projets, de mes souhaits, et place devant moi les personnes qui conviennent pour faire fructifier, pour faire réussir ce que, grâce à toi, je veux entreprendre. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions de cet ange Djabamia. Alors vous savez qu'on peut toujours améliorer ces qualités. Nous sommes ici sur Terre, évidemment, pour améliorer nos qualités, nos vertus et transcender nos distorsions que nous avons dans cette vie et que nous avons ramenées de nos vies antérieures. Dans les qualités, on retrouve évidemment, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, l'alchimie transforme le mal en bien. Compréhension et application de la loi de la résonance. Grande réceptivité et faculté d'aimer dans toutes les circonstances. Guérison, régénère, revivifie, rétablit l'harmonie, transforme, transmute en or spirituel, transforme la société avec des idées lumineuses, maîtrise les instincts, guide les premiers pas des défunts dans l'autre monde. Donc il le guide, il accompagne, aide l'accompagnement des mourants, capacité de visiter les mondes parallèles, de comprendre le travail des guides spirituels et d'apprendre comment on devient un guide et un guérisseur spirituel. Voilà pour les qualités. Et pour les distorsions, difficulté à transformer, transcender le mal, les énergies, situations et aspects négatifs, blocage, rétention, problèmes de digestion sur les différents plans, obésité, problèmes de santé, maladies incurables, difficultés à guérir dues à un surplus de mémoire, pensées, émotions et comportements négatifs. Refus ou résistance face à la réceptivité, problèmes causés par des besoins instinctuels inassouvis, débordements, réactions excessives, conflits, affrontements, rejet de l'autre, manque d'amour, accumulation de sentiments négatifs, tendance à s'embourber, lourdeur, incapacité à se déterminer un objectif, ignorance de la loi et de la résonance ou refus de l'appliquer, incompréhension du bien et du mal, athéisme, incrédulité,
peur des changements et de la mort. Et nous terminons dans les distorsions, difficultés à accompagner des personnes en phase terminale ou en fin de vie. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, eh bien, inscrivez en dessous de cette vidéo dans les commentaires, eh bien, votre date et heure de naissance et je les calculerai gracieusement. Alors, cette vidéo est terminée. Vous allez voir apparaître une vidéo sur votre écran. C'est une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, etc., etc. Un tout grand merci de venir sur ma chaîne YouTube, de votre écoute. Merci à tous mes abonnés. Merci à ceux qui ne sont pas abonnés. C'est peut-être l'occasion de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve pour une autre vidéo avec l'ange Hayael, porteur de la vibration numéro 71 dans le calendrier angélique de la Kabbale et qui régira du 11 au 15 mars. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur et de ce que vous aimez. À tout bientôt.